Salut, bienvenue sur la chaîne de cuisine SHCV. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo qui s'intitule Une pâte à pizza faite maison. Pour faire ma pâte à pizza, j'ai besoin de une cuillerée à café d'huile d'olive, une demi-cuillerée de sel, 20 centilitres de l'eau, 20 centilitres de lait, 350 g de farine, une cuillerée d'huile d'olive et 10 g de levure boulangère qui correspond à 2 sachets de levure boulangère. Donc nous allons passer maintenant à la préparation de la pâte. Et je vais mélanger le lait et de l'eau. Je mets d'abord l'eau. Et mets dans le verre. Donc, je vais passer maintenant à la farine. Je vais mettre une couche de liquide, une couche de farine, une couche de liquide, farine, une couche de liquide, une couche de farine. Et je vais rajouter ma levure boulangère. Je vais mélanger tout doucement. Je vais rajouter ma pincée de sel. Après, une cuillerée d'huile d'olive à café pour embellir. Et je mélange tout. Et je mélange tout doucement. Pétrir pendant 5 minutes. Je ne colle plus dans la paume de la main. Je vais laisser reposer pendant 1 heure de temps. Donc du coup, je vais la mettre sur le plan de travail. Comme vous voyez, elle est bonne. Non, je vais la remettre et je vais recouvrir d'un torchon. Il est recouvert, je le laisse reposer dans un endroit un peu tiède pour qu'il monte donc pendant 1 heure de temps. Ben, la pâte à pizza, elle est levée comme vous voyez. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on enlève le gaz dans la pizza, dans la pâte à pizza. Je vais mettre un peu de farine. Et je vais la découler. Je vais enlever tout l'air. Là, on sent l'air. Donc, on va prendre le joli côté. Fait comme ça. Dessous. Un peu de farine dessus. Et la jolie partie, je vais tourner.